Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hey! On a tout un public ce soir. Hey, c'est le mois de novembre. Ça va bien? Ce soir, Samedi de rire durera une heure. Oh, oh, oh! Oui, mesdames et messieurs, en fait, 48 minutes de plaisir. En fait, ce soir, Samedi de rire, à Samedi de rire, nous aurons quatre volets. Le premier volet sera une série de sketchs, plus ou moins courts, dépendant de la longueur. Le deuxième volet sera composé de farces qui seront distribuées dans les sketchs ici et là. Le troisième volet comprendra notre équipe régulière, Pauline Martin, Michel Delaurier, Normand Chouinard et Normand Brathwaite. Et le quatrième volet, nos invités spéciaux, Pierre Labelle et Jeannine Suteau. Wow! Chloé, c'est Jocelyne. T'as pas trop de misère avec ma poune? Non, c'est votre papa. Parce qu'on a rencontré un collègue de travail d'Alain. C'est le français, là. Non, mais arrête! Oui, c'est ça, moi. Puis on est venu chez eux, là, on prend un petit verre tranquille. Mais on rentrera pas tard. OK? C'est bien fit. OK, bye-bye. Bon, ben, c'est correct avec la gardienne. Mais on rentrera pas tard, OK? Parce que je veux la soirée. Soit dit en passant comme ça, là, le film, là, tu sais, 37.2 le matin, là, ouais, moi, je trouve que c'est un film bien passionnel, hein? Mais tu sais, le bout où le gars, il se déguise en femme pour aller à l'hôpital, pour étouffer sa femme avec une tête d'oreiller, là, ça, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Pas. L'avez-vous compris, la fin, vous autres? Moi, je trouve que la nana à poil, elle était pas mal, non? Hein? Mais c'est du cinéma! Oh. En tout cas, moi, s'il fallait que je mette le feu à la maison à chaque fois qu'il y a de la vaisselle à faire, Alain me sortirait bien par la fenêtre. Comme si le père de ta petite popone pourrait faire des affaires de même. Moi, je chicane jamais, mais ben non, mais je te niaise, ma petite pantoufle. Non, mais arrête, je te dis. Quoi? Arrête ton cinoche, quoi? Allez. Non, mais arrête! Oh, il me fait des câlins sous la table. Et devant des gens, en plus. Chaque fois qu'il voit une fille à poil dans un film, il s'emballe. Non, mais enfin, vous l'avez entendu râler, quand même. Mais ça vous emmerde pas si je lui fais des petits câlins sous la table? Wow. Ben non, c'est tellement beau, l'amour, hein? Allez, allez, Sophie, embrasse-moi et on fait la paix. Oh, arrête! Allez, j'ai envie de ta bouche sur la mienne, allez. Allez, oh. Fais-moi un câlin, coquine. Mais hein? Arrête, je te dis. Non, mais t'es pas drôle, il y a des gens, là. Non, mais qu'est-ce que t'as, là? C'est quoi le problème? C'est pas des gens, c'est pas des gens. C'est Alain, les gens. Alain, c'est mon pote. T'es mon poteau, Alain, hein? Allez. Arrête, Alain, c'est son pote. Non, mais t'es drôle, toi, comme si vous aviez gardé les doigts ensemble. Allez, embrasse-moi et on fait la paix. Allez. Non, mais arrête, je te dis, j'en peux plus, moi. Non, mais Sophie, là, hé, hey, oh, hé. Hey. Ou tu m'embrasses ou je me tire. Non, mais enfin, ça vous dérange pas, hein? Ça vous emmerde pas si je baisse ma copine sur la bouche. On n'est pas chez les curés. Mais allez, allez, tire-toi, allez, viens. Salaud. Oh, j'ai envie de toi, j'étais dans la peau. Allez, viens. Mais arrête, allez, viens. Didier. Viens, enlève ta robe, viens sous la table. Allez, arrête, viens. Arrête, je te dis. Viens. Non, mais t'es mal ça. Non, mais quoi? Non, mais arrête, je te dis, pas devant les potes. Non, mais qu'est-ce que t'as? Mais tu m'emmerdes, les potes. Mais allez, allez, ça vous emmerde quand même pas si je baisse ma femme sous la table. Allez, viens, viens. Mais c'est plus, là, Là, je pense qu'on va y aller, nous autres. Je pense que vous seriez mieux si... T'entends ce qu'il dit, hein? Là, c'est vrai, mais t'entends ce qu'il dit. C'est pas eux que tu gênes, c'est toi que tu gênes. Non, mais arrête, je te dis, tu m'énerves. Bah, mais alors, pourquoi ça te gêne? Hein? Qu'est-ce qui te gêne? Non, mais... Même le dire, c'est quoi? Didier, si elle veut pas, tu sais, ça a mal à la tête, c'est pas de nos affaires, à nous autres. C'est comme minable, voilà ce qu'il est. Tu vas me répéter ça? Minable. Tu vas me répéter ça devant Alain? Tu vas me le répéter? Minable! D'ailleurs, je me fous d'Alain, je me fous de sa bonne femme. Quoi? Je veux plus te voir, t'entends? Allez, va-t'en, disparais! Sophie, tu vas me le payer. Oh, j'en peux plus, moi! Non, mais j'en peux plus! Je travaille toute la journée au bureau, je me tape la bouffe, je me tape la lessive, je me tape toutes tes histoires! Non, mais j'en peux plus de la neige, moi! J'en peux plus du Canada! J'en peux plus de leur bouffe dégueulasse! Y'a pas de bonus ici! Y'a pas de traitement la bouffe volcanique ici! Non, mais t'as vu mes cuisses? Hein? Ouais, tu les as vues? Ouais, mes os? Non, mais tu les as vues, mes os? J'ai l'air d'une pouffière!
Oui, je me laisse aller, c'est tout ce que ça te fait. Ouais. Hein? Hein? Non, mais t'as vu mes cheveux? T'as vu ma peau? Non, mais t'as vu? T'as vu ma main? Voilà! Oh, mais non, franchement! Oh, toi, t'es ta affaire à faire! Toi, tu la fermes, hein? Toi, tu te tais! Alors là, tu te tais, toi! Parce qu'ici, c'est chez moi! Et chez moi, je fais comme eux, ça me plaît, monsieur! J'en peux plus, moi! Non, mais j'en peux plus! Où il est mon pistolet? Où il est mon pistolet? Où il est mon flingue? On peut rien trouver dans ce bordel de merde! Où il est? Dégueulasse! Ouais! C'est très bien où il est ton couteau pistolet! Arrête ton cinéma! Hein? Il est! Tu le veux ton pistolet? Dis-le, ouais, tu le veux? Oui, hein? Oui, je le veux! Tu le veux déjà? Oui, tu le veux! Voilà! C'est mon pistolet avec son merveilleux! Allez, tire-toi une balle dans la tête, hein! Ça vous dérange tout de même pas si je fais éclater la serviette sur la table, hein? Mais dites-le, lui, ça vous gêne, oui ou non? Je ne veux rien, moi je... Allez, allez, Alain, avoue-le que tu t'en fous, mais alors tu t'en fous si je me flingue! Alors on s'en fout tout, j'aime bien je me flingue! Mais pas ta seule partie pour le faire! Je m'en fous! Je veux plus le voir jamais, t'entends, Alain? Je veux plus le voir! Je suis un minable dans un appart minable, dans un bled minable, dans un pays de minable. Et je suis là comme un con à parler avec des gens minables, parce que c'est ce que vous êtes, mais vous êtes des minables. Moi, je voulais rentrer à la maison. Oh, mais ta paix, ma fille, j'ai jamais voulu faire, moi. Ouais, mais laisse-moi te dire une chose. À soir, là, tu vas revenir tout seul dans la chambre. Parce que oui, moi, je couche une sauce fort. Non, mais, t'as vu, chérie, ils sont partis sans dire au revoir. C'est incroyable. C'est incroyable, quand même. Non, mais où tu vas, Didier? Il y a un match de foot en reprise à la téloche. Oh, mais attends, mais ouais. Tu es drôle, toi. Ouais. Oh. Tu sais, c'était pas mal, tes copains. Ouais, pas mal. Mmh. Ouais. Votre voisin vient d'avoir un accident? D'accord. Dans notre métier, il y a un mythe qui veut que les carrières se font et se défont rapidement. C'est vrai, on voit ça, des gens qui deviennent des super vedettes, là. Hein? On se dit, ils sont là pour la vie, 5-6 ans après, on sait pas où ils sont, on n'en entend plus parler. Mais, heureusement que ça arrive seulement pour un petit pourcentage des gens qui font notre métier. En général, la plupart d'entre nous, on fait ce métier-là comme d'autres, on est là pour durer. Puis notre prochain invité dans l'humour, c'est une valeur sûre. Il est là, puis il va rester, puis on en est bien content. Mesdames, messieurs, Pierre Labelle! Malheureusement, c'est tout le temps qui restait. On va aller à une pause commerciale, puis... Non, mais ça va bien. Oui, il y a des journées, par exemple, comme ça, hein. Dès le réveil, là, tu le sais quelle sorte de journée qui t'attend, hein. Comme ce matin, là. En enfilant ma chemise, il y a un bouton qui me reste dans les mains. Je soulève la cafetière, poignée qui me reste dans les mains. Ben, j'ai posé à la salle de bain de journée, hein. Mais ça pourrait être pire, par exemple, si je regarde juste comme mon voisin, immédiatement à droite, chez moi, sur ma rue. Ça, c'est un gars, là, mon Dieu. Pauvre type. Un gars qui souffre, ça, d'hémophilie, OK? Il est hémophile, là, vous savez ce que c'est. Il est hémophile, bon. Imaginez-vous qu'il a essayé de se soigner par des traitements d'acupuncture. Par contre, mon voisin de gauche, lui, ça, c'est un homme qui m'impressionne. Vraiment, là, c'est quelqu'un qui correspond
correspond vraiment à la définition du mot macho. C'est quand? C'est la semaine passée, ça? La semaine dernière, c'est ça. En revenant de sa propre vasectomie, il est revenu chez eux en jogging. Non, faut y penser, tu sais, puis... Merci, lui, il a pensé, toi, il a pensé tard, là, mais il a pensé. À vous ça, là, tiens, c'est un peu pour ça que je voulais vous parler. À vous ça, de la nouvelle... nouveau produit qui ont sorti sur le marché, là, c'est... c'est une nouvelle marque de condom. Ouais. Puis je trouve le nom très vendeur, moi. Ils ont appelé ça « Bébé à bord ». Non, mais ça, c'est un mot qui est devenu à mode, qui est parti de rien puis qui est venu à mode très vite, hein? Le mot condom. Ben, les premières fois que je l'ai entendu, moi, là, je pensais que c'était quelque chose ça, que t'achetais en Floride, là, à temps partagé. Bon, hein, bon. Mais là, là, tu peux plus passer à côté, hein? Fait, avec toute la publicité là, qui l'entoure, comme tout ce qu'on voit à la télévision là, sur les MTS, là, les maladies transférées sournoisement, là, bon. On entend parler, bon. Mais on voit toujours que le héros, c'est le condom, hein? Il nous recommande fortement, ne partez pas sans lui, hein? Bon. Mais ça, là, je veux dire, on a passé le temps des recommandations, des suggestions, voyons donc, écoute. Non, mais, écoute, quand est-ce que c'est, je veux dire, que le casque est devenu obligatoire au hockey, hein? Puis que, les automobilistes sont attachés pour vrai dans les autos, hein? C'est quand ils ont forcé. C'est pour ça que le port du condom devrait être obligatoire en tout temps, à partir du secondaire 1. Non, non, mais... Niaisons pas, vous êtes non. Faut pas niaiser avec ça, je veux dire... Faut pas s'habituer, ça va être un objet qui va devenir de plus en plus courant. Écoute, il y a même des machines distributrices dans les écoles. All right, mais écoute, dedans... Dans mon temps, on n'avait même pas le droit de manger de gomme. All right. Je vous dis, on va falloir s'habituer. Okay, c'est quand? C'est la semaine? Pas plus tard que la semaine dernière. Sans ça, ça aurait été cette semaine. Non. Non, j'arrive dans un hôtel à Québec, OK? Je suis pressé, je veux prendre ma douche. Bon, puis je veux pas mouiller les cheveux, bon. Je déchire l'enveloppe, sors le petit casque de bain. Puis là, j'ai perdu un gros 20 minutes à essayer de me le mettre sur la tête sans le déchirer, là, hein? Ouais, mais faut que tu te laves les cheveux de toute façon, c'est assez graisseux, ça veut dire c'est effrayant. C'est pour ça que l'idée m'est venue, vu la grande popularité et l'intérêt certain là, qu'on porte à cet objet-là, que... C'est que je suis en train d'organiser... C'est pour le printemps prochain, le premier salon international du condom, avec des modèles de 88 pays différents. Ça va avoir lieu au Vélodrome olympique. Et puis d'ailleurs, le stade m'a inspiré beaucoup pour mon slogan. Le stade m'a beaucoup inspiré pour le slogan, qui est « Le stade a un toit, pourquoi pas toi? » Non, mais il y a une chose, c'est qu'au moins, on est peut-être moins... On est moins hypocrite qu'avant. On peut en parler plus ouvertement. C'est plus vu... je veux dire, quand on parle de tout sexe, sexualité, je veux dire, bon... On va juste regarder comme les films aujourd'hui. Hein. Bon, les films. Je veux dire, déjà, il a fallu tout changer notre façon de penser. Ils ont été obligés de changer la réglementation. On est rendu maintenant avec une cote, là, je veux dire, de censure différente. On a comme le film qui est coté G, là, général... Bon, ça, on le sait, là, ça veut dire que le héros va coucher avec la fille. Bon. Côté 14 ans, ça veut dire que c'est le vilain qui couche avec la fille. Et 18 ans et plus, c'est tout le monde qui veut dire que c'est genre...
Puis il y a quelque chose, moi, dernièrement, que j'ai lu, qui m'a beaucoup impressionné, c'est une étude qui a été faite par des chercheurs, un groupe de psychiatres, et puis ils en sont arrivés à la conclusion que si tu veux vraiment comme mettre un peu de piquant là, dans tes activités sexuelles, paraîtrait qu'il n'y a rien de mieux que le visionnement d'un film pornographique pour stimuler. Fait qu'en fin de semaine, moi, je suis allé en louer 3. Non seulement ça m'a stimulé, mais ça m'a mis stressé, là. Il y a des grands bouts même complexés, OK? Non, mais après un, j'ai pas été capable de poursuivre, écoute. Non, il y a rien, là, moi, il y a rien que j'aille plus que de voir un gars avoir plus de fun en 90 minutes que moi dans les derniers 20 ans. Merci. Tiens, un bon café. Merci bien, Rita. Ça n'a pas l'air de filer fort fort, toi, matin. Parle-moi-en pas, Rita, je pense que je couvre une grippe. J'ai mal à la gorge en maudit Véra. T'en dis pas ça, maudit Véra. Excuse-moi, Rita, mais tu sais, quand ça file pas de même, hein? Tiens, prends ça, dépassez bien bonne contre le mal de gorge. Ça va te soulager un peu toujours. Je pense que t'as une journée de fou aujourd'hui. Ah, je comprends, faut que je descende un voyage à Québec puis je revienne back-to-back. Ben. C'est pas de même que tu vas soigner ton mal de gorge, hein? Mmh. Tiens, m'a te réchauffé ta tasse. Oh, t'es bien blood, Rita. Salut, la compagnie! Bonjour, Marcel! Ben voyons, c'est pas ton heure, d'habitude, je t'attends jamais avant 11 h. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de trop grave, j'espère? Ben non! C'est juste que j'ai mené conduire ma femme ici chez sa mère pas loin. Fait que je lui ai dit, ben allez voir Rita! Je vais en profiter pour prendre un bon café et puis une bonne grosse patate frite avec de la sauce. Non, pas de patate sauce. Hey, je trouve que tu te nourris bien mal de piquet-quitant, Marcel. Non, tu vas prendre plutôt une bonne soupe aux légumes. Ça va être bon pour ton teint. Ah bon. Et que je te trouve pâle. Tu serais pas en train de nous couver quelque chose, toi? Moi, je couvre une grippe, j'ai mal à la gorge en maudit verre. Rémi, voyons! Excuse-moi, Rita, je leur dirai plus, je leur dirai pas. Voilà, c'est une misère avec lui. Ça fait que je sais pas combien de fois que j'ai dit de pas dire maudit verre. Juste. Ça lui rentre pas dans la tête pendant tout. C'est une maudite tête de cochon. OK. C'est pas plus vite, toi. Je veux plus en entendant dire maudit. C'est clair, ça? Oui, c'est clair. Salut, Rita. Bonjour, Bob! Comment ça va? Ça va pas pire. Hey, Bob! Hein? As-tu manqué le truc à vidange en matin? Arrêtez de le taquiner! Vous le savez qu'il est gêné, faites pas par exprès! Non, ça, c'est bon. C'est ça que j'ai apporté. Ton quoi, là? Elle écoute, là, Rita, elle comprend que t'es gêné, mais articule si tu veux que Rita te comprenne, hein? J'ai apporté mon linge sale, puis je pensais que j'ai apporté mon... Ben oui, donne, c'est correct. Sois pas gêné, voyons donc, je te l'ai dit, que ça me ferait plaisir de te laver. Tiens, assis-toi. Ça va être une bonne soupe aux légumes. Regarde ça. Bob, il est pas capable de laver son linge sale, faut que ce soit Rita qui le fasse. Tu vas plus entendre un mot. Puis à force de ça, Rémi, t'es bien content que je te rende service, toi, en gardant tes enfants. Ça fait que laisse Bob tranquille. Sinon, t'auras pas de gâteau au chocolat. OK, Rita. Ouais, tu m'as parlé dans le casse en sucré ce matin. Oh, tais-toi! Excuse-moi, Rita. Pas de sacre, ici dedans! Et que j'ai de la misère avec vous autres! Ah, ben là... Mais franchement, Bob, c'est pas mal poli, ça. Hein? Ouais, il faut que j'y aille, là, si je veux arriver à Québec aujourd'hui. Merci, Rita. Hey, Bob, pas de même, toi. Ouais. Attache-toi avec ton mal de gorge, Seigneur. Merci, Rita. Merci, Bob. Hé, maman. Écoute, je suis en retard pour mes cours, là. Je suis pressé. Tu pourrais-tu recoudre le bouton de ma chemise, s'il te plaît, maman? Mais sais-tu que t'as du front tout le tour de la tête, mon petit garçon? Penses-tu que j'ai juste ça à faire, moi, jouer à la mère?
jette, toi. T'aimes-tu mieux les deux pièces ou bien les bikinis? Oh, moi, j'ai eu assez de problèmes en Floride l'année passée avec mon bikini. Mais... le top tombait à chaque fois que je pognais une vague. Oh, j'étais assez tanné, là. Le monde m'appelait le gros scandale. Oh, ben arrête donc! Mon Dieu, c'est chanceux, t'as assez une belle poitrine. Oh. Oh, je t'ai dit que tu dirais pas ça si t'étais plate comme une galette, hein? Hey, as-tu acheté un pot de colichon depuis ces tablettes? Ouais, qu'est-ce que je fais avec les tablettes? On va laisser aller dans en bas. Ouais. Hey, la note moins non. Prends ça. On va prendre les revues. Okay. Et puis, trois petites poches de farine. Veux-tu ça, la farine à blé entier ou la farine blanche? De la peur! De la farine peu! Pas de cochonnerie dedans! Je suis pas sûr là, que je comprends ce que vous voulez dire. Là. On voudrait de la farine de party. Alors, mais là, voulez-vous la farine faire des gâteaux ou bien là, la farine faire des tartes ou je sais pas? Là. Puis des galettes de sarrasin, je pense. Ah, oui, donc? On a du l'air des galettes de sarrasin, hein, toi pis moi. On est des filles de party! Oh, c'est veut dire? On fait partie d'un club de swingers de la région de Joliette, tu sais, pis je peux-tu te dire que quand on loue le centre culturel, c'est pas juste pour danser la triple swing, monsieur Hitler? Non, c'est pour des échanges de coupe. Quoi? On aura besoin de cornstache pour perdre la tête un peu. C'est ma dire? Parce que, tu sais, des fois, c'est mieux de pas être lucide jusqu'au bout, hein, parce que tu sais qu'un club de 700 membres, c'est pas tout de les playboys, tu sais, vas-y. Et puis, il faut bien que ça aboutisse, hein, la salle ferme à minuit et quart. Ça fait correct de faire les pains, là. On veut du soda à pâte de Colombie. Est-tu clair? Écoute, Jerry Bissonnette, tu dois ça, hein? Mais non. Ah, oh, de rien. Jerry, quelqu'un veut te voir? Jerry? Ouais. Jerry Bissonnette! Ouais, ouais, c'est ça. Nick Légaré de la région de Joliette, c'est-tu quelque chose, ça? Ouais, peut-être. C'est lui qui nous a envoyé ici. Ouais, il n'y a pas 10 jockeys dans un centre culturel à Joliette, là. En plein ça, là. C'est pas lui qui a parti une gang de swingers, là. Ouais, ah, pis ça swing pas mal, c'est pas terrible, c'est ça. Ça paraît que c'est pas mal capoté, ça, hein? Ah! Alors que, toi, fin de semaine, il y a 15 autobus de couple marié qui arrivent là, hein? Les femmes patinent tout nus autour de la patinoire jusqu'à temps qu'ils pognent le sac de clé d'un gars. Certainement. C'est en plein ça. Puis à un moment donné, il y a une grosse Mme Gendron qui sort puis qui passe la côte, là. Définitivement. J'ai jamais entendu parler. Combien vous en voulez? Oh. On va en prendre 2 pouces. Avez-vous le cash? On a ça en bille de 1000 pas en bille de 500. Ah ouais, ma Gisèle, sors le Tupperware! C'est-tu pour livrer à l'auto, ça? Minute! On va écouter. Ah oui? Ah bon, mais... Tiens, gadon, gadon, gadon! Ben, vas-y donc, Jean-Pierre! Non, vas-y. Ouais, non, j'aimerais mieux pas. Vas-y donc. Non, vas-y. Non, t'es certain, bon. Non, vas-y, je te dis, vas-y, OK, c'est correct. Ah, c'est pas de la farine, ça, hein? C'est pas du jeu! Ça doit être ça! Ça doit être ça! Freeze! Georgette, tu prends un genre de spécial! Envoyez ma Gisèle, arrête de sniffer puis passe-lui une menotte, là! Oui, vite! Au nom de la loi, je vous arrête par possession et trafic illégal de stupéfiants! Avancez en avant, move over! La gendarmerie vous attend dehors! Envoyez, petit gars! Envoyez! Ah, move over! Belle! Allô, mon chien? Et Gisèle! Oh oui, mais sur le perron, là! Mission accomplie! Over!
Si qu'on est bonne, qu'on est bonne, qu'on est bonne, qu'on est bonne. Ah ben, c'est elle. Ah, je sais pas ce que j'ai, Georgette. J'ai tout changé, c'est effrayant. Mais, coudonc, ça fait-tu longtemps qu'on chante même, nous autres, là? Ah, mais je sais pas. Hey, c'est longtemps, c'est-tu à la drogue? Ça, là, ça, 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 OK. Hein? OK. Hey. Hein? OK. Sais-tu combien ça prend de gosseau pour dévisser une ampoule, toi? Non. Ça en prend un pour aller chercher la bière, un pour la déboucher, un pour aller chercher les chips. Wow, 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 wow. L'ampoule. On s'en sac de l'ampoule, voyons donc. Bonsoir. Bienvenue à ma nouvelle émission Une crotte sur le cap. Une crotte sur le cœur, c'est un programme qui va jaser avec vous autres de l'actualité féminine. J'aime autant vous le dire carré. Une crotte sur le cœur, c'est une émission qui s'adresse à toutes les femmes qui ont une crotte sur le cœur et qui pensent comme moi que c'est mieux de chiquer la guenille ensemble que de garder tout ça par en dedans et de faire du moisi avec. Alors, j'ai ici à ma gauche Mme Renata Champoux. Elle a vieilli ici pour se plaindre de sa chirurgie plastique vu qu'elle n'est pas satisfaite. Et puis j'ai ici à ma droite, c'est le docteur Courtemanche, c'est lui qui a magané le pot de trac, hein? Et puis lui, là, il vient accompagner avec son avocat, vu que Mme Champoux, elle a vraiment une grosse moseuse de crotte sur le cœur. OK? Bon. Alors, es-tu en forme, Mme Champoux? Ça pourrait aller mieux, mettons. Moi, qu'est-ce qui t'est arrivé au juste, là? Parce que moi, quand je l'ai connue dans mon cours de couture, là, elle tabac comique. Elle toujours, elle me faisait rire, là, elle tabac trop. Mais là, t'as plus le goût de rire, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu lui as demandé au docteur pour qu'il te magane de même, donc? Mais j'ai demandé de manger mes poches en dessous de mes yeux. Hein? Puis c'est ça que ça a donné. Ouais, là, je veux bien croire que t'avais la poche en dessous des yeux, mais là, Santa Maria, t'as toute la face du même bord. Hein? Non, mais qu'est-ce que tu y as fait, docteur? Elle a l'air d'avoir passé, d'être une chandelle qui a passé la nuit à côté du calorifère. Hein? Laisse faire, Joseph, je vais la prendre, celle-là, moi. Hein? Ce que Mme Champoux nous dit pas, là, c'est qu'en plus de ses poches, elle avait une espèce de bouton, là, tu sais, pour être poli. Gros comme une gourgane, pour être précis, non. Juste en dessous de l'œil, pour être franc. Ah bon? Écoutez, Mme DiBello, je sais pas, je suis obligé de vous faire un dessin, là, mais j'ai été obligé d'y tirer sa peau en joie le vert pour y ramener ça en dessous du cuir chevelu, moi. Mais c'est pas juste ça, Seigneur, je me plaindrai pas tant que ça. Mais après ce que vous m'avez fait aux épaules, vous mériteriez le bagne! Oui, alors. Mais... C'est qui, on ses épaules? Ah, ben là, je m'excuse, monsieur l'avocat, mais des épaules, c'est important pour une femme, c'est là-dessus qu'elle suspend ses robes, tu sais? Hein? Mais toi, Renata, là, ils ont l'air corrects, tes épaules, t'as ces cas, là? Non, ils sont pas corrects! Non. Moi, avant, j'avais les épaules tombantes, tu sais? J'étais tannée de perdre mes pattes dans mes blouses. Ça fait que quand j'ai dit ça à lui, là, il a décidé de me poser des épaulettes en silicone. Ben. Sauf qu'une semaine plus tard, j'en avais une en plein milieu du dos. Ah, ben montre-moi dans ça, Marinetta, là. Okay. Hein, mon Dieu, ça a l'air du dôme du Vatican, ça. Ah, ben, combien qu'elle m'a toujours à me faire rire. Bon, alors là, docteur, mais avec tout ça quand même, là, ça fait une épaulette et Saint-Laurent. C'est beau, là, mais qu'est-ce qu'elle fait là, hein? Ben, sais-tu, moi, madame a peut-être bougé. Elle a peut-être dansé le limbo. Hein? J'aimerais bien ça vous voir, moi, avec un pad par en arrière puis trois jours par en avant. Écoutez, madame, quand on porte un bon soutien-gorge, il n'y a pas de problème, hein? Ah, ben là, on peut vous dire, moi, monsieur le docteur, que si je me retrouvais avec une épaulette Yves Saint-Laurent entre mes deux petits tartellinis, j'aurais une grosse cote sur le cœur. Hein? Mais j'en ai une autre cote sur le cœur si vous voulez avoir le fond de la pensée. Ben, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Votre dégraissage de ventre, là? Ouais. Dire, vous êtes pas contente? Non, je suis pas contente. Vos étudiants m'ont tellement raclé qu'ils m'en ont perdu des bouts. Ils m'ont enlevé l'estomac. Ben, je veux bien croire que c'est une erreur, là, mais ça fait 8 mois que j'appelle chez vous puis j'essaye de le rejoindre, le docteur Courtemanche, puis sa secrétaire me dit toujours qu'elle n'est pas capable de le retrouver. Des fois, je me demande si elle cherche, tiens. Bon, écoutez, chose, mettez un peu d'eau dans votre vin, là, hein? Je peux plus, monsieur, je bois plus de vin. Pas de place pour le mettre.
Ah, un comique! Un comique! Ah, Renato! Ah, ben! Écoutez, madame, là, ben. Tout que vous n'avez pas beaucoup de sens d'humour, ben. Hein? Non, j'en ai plus! Pas de place pour la mettre! Ah, ah, que c'est malheureux! Mon réalisateur me fait signe qu'il faut qu'on arrête de chicaner. Mais là, le docteur, là, s'il y a une dame à la maison, là, qui a une crotte sur le cœur, là, puis qui voudrait se faire arranger le portrait, là, qui sait qu'il faut qu'elle fisse? Ben, écoutez, ils ont juste à venir me voir, moi, ça va me faire plaisir. Ben, c'est bien parfait. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci, madame Shampoo. Merci, messieurs. J'espère que ta crotte est partie. Hein? On est bien contente pour toi. Fait qu'oubliez pas, mon émission, hein? Si vous pensez comme moi que c'est mieux de chiquer la guenille ensemble que de garder tout ça par en dedans puis de faire du moisi avec. Bonsoir. Hey les gars! Hey les gars! Regardez ça là! Oh boy! Hey, ça... Voyez-vous ce que je vois? Hey, ça c'est quelque chose, hein, monsieur? Oh, wow! Difficile de résister à ça? Oh, oui, ça là, celui-là, là, quand tu le touches à la bonne place, là, tu le sais! Ah, ouais, wow. Ça fait trois mois qu'il se passe rien, mais là... Là, on peut pas laisser passer ça! Ah. Hey, c'est là qu'on va savoir, les gars, si on a encore la... La touch. Ouais. Puis ça, c'est pour moi. Ouais, c'est à mon tour. Non, je m'excuse, mais c'est à mon tour. Je te ferai remarquer que la dernière fois, c'était toi. Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me prépare. C'est à mon tour. Comment tu te prépares? Oh, écoutez, là, si c'est pour être comme ça, on va, OK? On va tirer ça à porte-paille. Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, des pailles. Ah oui, mais c'est des pailles à boire. Ben quoi? Ben, ils ont toutes la même longueur. Voyons donc. Ah, bon, ben, écoute, si c'est si compliqué, c'est moi qui y va. Non, c'est à moi qui y aller. Non, minute, ça va, les gars. Oubliez ça. Je suis prêt, moi, je suis équipé. Avec ça, je suis dans la poignée. Lui, il a le truc, hein? Ouais. C'était bien un champ de mine. Ouais. Conte du bas du fleuve. Avec petit blanc et le brun. Assoir, vrai comme je suis là. Ben, on va vous conter la légende de Clafos du troisième rang. Communément appelée la baboune qui frôle le bien-être social. C'est la légende de Clafos. Non, ni vu ni connu. Ça serait mentir que de dire qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà vu faire ses pauses croches qu'il faisait. Mais dans un petit village, que j'aurais mieux pas nommé sept, il y avait sept familles. Qui avait toute la même paire. C'était mon baboune. Sa femme, sa famille, ses tracteurs, ses maisons, puis ses chèques du bien-être social, toi et moi. Personne ne se doutait de rien, puis ses femmes, encore bien moins. À chaque femme, il disait, après avoir passé la journée avec, « M'en va pour la semaine en chasse. Je reviendrai la semaine prochaine. » Ça a duré 7 ans. Mais... un jour, il y a eu une grosse fête au village. Mon babou n'était pas de drapeau. Fait que la petite Catherine du quatrième rang a dit, « Gars, c'est mon père qui est pas de drapeau. » Le petit gars du deuxième rang, il dit, « Ben non, c'est mon père à moi, en tout cas. » Il y a eu 42 enfants qui ont dit que c'était le père, la chicane à pognée. Mon babou ne pouvait pas se diviser en 7. C'est là que le chat a sorti du sac. En fait, ces femmes étaient tellement maudites, ils l'ont coupé en 7 morceaux. Puis ils sont promenés avec les 7 tracteurs autour du village, en fait chacun leur morceau. Mais moi, vous dire, mon baboune, qu'est-ce qui l'a plus surpris, c'est quand ils ont coupé le bien-être. Oh!
C'est ça qu'il a donné. Le réel du BS à Baboune. Ah ben, bout de verre de la pipe à mon oncle Émile. Comment vous saviez ça que j'étais pour l'emballer? C'est plus long que ça, mais là, je suis plus capable. Mais qu'est-ce qu'elle fout qu'elle n'arrive pas, ta sœur? Mais tous les passagers qui revenaient du Canada sont passés, oui ou merde? Mais oui, mais Simone, elle revient pas du Canada, elle revient du Québec. Ah, mais je crois que la voilà. Oui, oui, je l'avais dit, c'était la voilà. Ah. Ici, Joséphine! Oh, ah. Ma petite gueulette! Et comment c'était le voyage, le Canada? Oh, ben alors, tu sais, ça a été diguidou, hein, le vol a été diguidou, tout a été absolument diguidou. Digui quoi? Oh, Austin Beuh! Oh! Mais c'est Gérard! Mais tu as attrapé l'accent québécois, ma parole! Mais oui, tu parles couramment le canadien! Oh, mais sacré boire, tu sais, y a rien là, hein? Tu sais que j'ai toujours été doué pour les langues. Alors, raconte-nous, là, ce voyage de 2 semaines, là, au Canada, c'était bien? Oh, alors oui, hein, c'était au bout, hein? J'ai pas lâché la patate de l'été. Oh! Non, mais qu'est-ce qu'il dit, Gérard? Mais dis quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Alors, j'ai fait un baptême de beau voyage, hein? J'ai visité toutes sortes de patentes à gosses. J'ai acheté des cossins. J'ai même habité chez des Tremblay, alors c'est tout dire, hein? Chez les Indiens? Sans blague, chez les Indiens! Mais t'habitais où? Dans un tipi? Mais non, pas du tout, j'habitais dans une swamp! Une quoi, tu dis? Ben quoi, une swamp? Un chac! Ben quoi, un chac, quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, Joséphine, dans ton chèque, il y avait une piscine au moins. Mais non, il n'y avait pas de piscine, voyons, il y avait juste la hose. Ben tu sais, là-bas, quand on a chaud, on s'arrose avec la hose. La hose? Mais qu'est-ce que c'est, la hose? Mais la hose, c'est la hose! Oh là là! Quand on a chaud, s'arroser avec la hose, c'est le fun. Bon. Ben oui, c'est le fun, hein, vierge. Oh, voilà tout. Oh là là. Oh, mais ça va, ton porte-corps. Oh. Et côté nourriture, ça allait? Oui. Oh, ben ça, heureusement qu'il y avait la poutine pour me pâter un peu. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais elle t'a fait des rencontres, au moins. T'as pas passé tout ton temps là-bas toute seule, j'espère. Mais pas du tout. J'ai poigné un gros kit sur un coltard de bon yard du village de Laval. Mais c'est quoi un gros kick? C'est quoi un coltard? Mais c'est mon amant canadien. Oh. Ben quoi un kick sur la slide? Alors t'as eu des relations avec un coltard du Canada? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends pas. J'ai poigné qui on s'est aimé une petite secousse. Ah bon? Ah ben si t'as vécu les petites secousses avec lui, c'est déjà pas si mal, hein? Et tu vas m'y écrire? Austin Beuh! Ben où est ma valise? Brigadier! Ben alors je veux ma valise à moi! Ben c'est ça, il y a encore une erreur sur le charvoyage des bagages. Oh, mais non, c'est pas ma valise à moi, ça! Oh, alors je vous préviens, hein, je suis un beau joual vert, hein. Et bien alors les unions, que ça donne? Oh, espèce de péteux de brou! Oh! Ah ben la voilà ma valise, hein. Bon ben alors, merci, hein, merci bien, merci. Raoul, demande-leur donc où est-ce qu'on pourrait trouver un stand à taxi. Excusez, il y a où est-ce qu'il y a un stand à taxi? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, laisse! Parce que moi j'ai compris, hein. Le taxi! Alors écoutez, tu prends la hausse à droite près de la poutine, tu tournes vers la petite secousse, tu traverses la battante à gauche, ensuite tu fais diguidou vers la droite, diguidou vers la gauche, ensuite tu lâches la patate près du gros kick jusqu'au fond du coltard. Bon, ben ça va, j'en ai finalement. Bon, ben alors, bye bye, les chums, hein? Bye bye. Mais tu parles leur langue, ma parole. Oui, je te l'ai dit, j'ai bien joué, ben oui, voyons.
quelque chose, toi? Oh, ça doit être ça, l'argot français! Eh bien, c'était un autre samedi de rire. On voudrait vous remercier. Vous avez été un excellent public et je suis sûr qu'à la maison, vous avez été encore un meilleur public qu'eux autres. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Merci à nos invités, Pierre Labelle et Jeannine Souto. Bye bye! À la prochaine! Demain, à l'autobus du show business, Jean-Pierre Ferland vous invite à célébrer en compagnie de ses nombreux invités le 25e anniversaire de la Place des Arts. Un spectacle à ne pas manquer. Demain, 19h30. Mais d'abord, les Flames affrontent les Canucks à la soirée du hockey Molson après cette pause.